Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite visite du propriétaire et cette fois-ci, je crois bien que c'est la bonne. On est en Normandie, il fait super beau, tout est vert. Et là, c'est l'une des granges, celle qui est au centre. C'est celle que j'aimerais transformer en habitation. J'imagine que vous vous rendez pas bien compte, mais elle est vraiment en sale état. Et puis d'abord, il y a un gros travail de débroussaillage, hein, c'est clair. Je pense que je vais m'attaquer tout de suite à ça et je vous recontacterai dans pas très longtemps parce que ce serait pas mal de faire un chantier participatif parce qu'il y a plusieurs endroits où il faut débroussailler. Ici, là-bas, un peu plus loin derrière, c'était là où il y avait avant le potager, mais je vous assure que imaginer un potager dans cette broussaille, c'est assez impressionnant. Voilà, faire un gros nettoyage des haies et il y a de quoi faire. Donc, un peu d'aide serait la bienvenue. Mais je vais essayer de faire un truc assez sympa où vous aurez envie de venir parce que éventuellement vous repartiriez avec les outils. Je vous en dirai plus très prochainement. Pour l'instant, je vous fais visiter ma future maison. Ça, c'est côté ouest. Voilà, c'est que des trous. Là, c'est les fondations qui ont existé un jour, mais qui ont vraiment plus que partiellement disparu. Vous voyez là, c'est pas très solide comme fondation tout ça, hein. Mais bon, il y a toujours dans l'angle une grosse pierre qui retient ce poteau. Et comme vous voyez, eh ben, il n'y a pas de ciment, donc il n'est pas rongé. En revanche, il a un arbre juste à côté. C'est pour ça, en fait, il y a des choses, pas mal de choses à récupérer et beaucoup à refaire. Ça, c'est un véritable enduit à la chaux, un enduit comme il faut, quoi. C'est pas du ciment. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Sur ce bâtiment là, bien qu'il soit vraiment en très mauvais état, il y a beaucoup de choses à récupérer. La bauge là, la terre donc, il suffit de la remettre dans l'eau pour pouvoir avoir une bauge prête à l'emploi. Ça évidemment, ça saute, hein. C'est là pour cacher des trous j'imagine. À l'intérieur, je vais vous montrer directement ici, c'est une pièce. Cette pièce, je vais pas pouvoir vous la montrer autrement que comme ça, parce que l'accès est bouché comme vous le voyez là-bas. C'est une porte, mais il y a plein d'arbustes, de ronces. Et ça, c'est des mangeoires à poules. Mais c'est des super mangeoires à poules, hein. Ça c'est clair, je vais en garder au moins un ou deux. Et comme vous le voyez là, le sommier, la grosse poutre qui traverse la pièce, elle est en parfait état. Et les solives, ce sont les poutres perpendiculaires, elles sont pas mal, mais certainement pas suffisamment épaisses pour le nouveau plancher. Au moins je pourrais les récupérer pour autre chose. Je vais aller à l'autre extrémité de la maison, parce que pareil, on peut pas y accéder de l'intérieur. Alors je vais rentrer par le petit trou. C'est de la terre battue, il y a aussi des fondations là, donc j'ai l'impression que ça, c'est un rajout. Et donc vous voyez là, on n'a pas d'ouverture vers les pièces centrales. En revanche, on a un toit cathédrale. On a du bois qui est plutôt en très bon état. Il n'a pas l'air dégueu du tout. Même là, au-dessus des fondations, on voit un petit peu d'humidité. Je ne sais pas du tout comment on va traiter ça. En revanche, le bois n'a pas l'air attaqué, hein. Alors déjà là... on voit que c'est friable. à l'extérieur, mais en dessous ça reste quand même très très dur, hein. C'est friable sur 1,5 mm. Je vais pas pouvoir m'en servir correctement, mais déjà vous voyez là, la pointe, bien que ce soit une pointe, elle s'enfonce pas, pas très loin. Et là, le micro a frotté contre le mur, donc je suis obligée de refaire le son. Et comme vous le voyez, la lame ne s'enfonce pas, donc le bois est en parfait état. On voit juste les remontées capillaires dont il faudra se débarrasser. Le mur en briques, caché par les ronces, dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense que ça c'est plus récent, mais... Yo ! Vous voyez ça ? Ça c'est pas du ciment. Ça c'est pas du ciment, c'est de la chaux. Ça c'est très bien ça. Aucun endroit il y a du ciment. Ah bah alors Martine, c'est comme chez toi. Je crois qu'il y a une stoutoune à l'intérieur. À mon avis, il y a des bébêtes. Il doit y avoir des rats. Voilà, ça c'est la clé de la maison. Très spécial oups, contre les voleurs. Il paraît que là, dans le coin, c'était un poulailler. Ça, c'est des pneus de tracteur. Ah, il y a bel et bien une bête à côté. Oh, regardez la belle tomate que voilà. Mais si, enfin, vous la voyez pas? Il y a de la belle tomate. Ça, c'est une magnifique cheminée qui doit certainement paraître splendide à l'écran, mais... Voilà les joints. Hein? Il y a un peu de taf. Un léger taf. Alors en revanche là, c'est des très très belles pierres, hein. Ça par contre, ça ressemble un peu plus à du ciment. Là ça a été grossièrement bouché, je sais pas. Je me rapproche pour vous montrer, mais... Voyons, on voit la pièce d'à côté. Ah oui, je vais éviter de pousser parce que là... la cheminée va s'écrouler. Voyez? Et là, oh, oh, mon doigt s'enfonce. Rien ne tient. À côté, bah... Il y a de la planche, et on voit à nouveau la pierre qui dépasse là, la belle pierre, tout doucement. Là c'est bien à l'ancienne, hein. C'est dans son jus, c'est clair. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir monter à l'étage, mais ce que je vois c'est que le toit monte vraiment en flèche, donc ça doit être très joli à voir. C'est dommage, là il y a un trou, mais on va rien voir, on voit le foin qui dépasse. C'est comme ça qu'il faisait pour isoler. À l'étage il remplissait de foin et on sentait toujours une bonne fraîcheur quand on rentrait dans les bâtisses. En gros ces dimensions, c'est 16 mètres de long et un peu moins de 5 mètres de large, l'épaisseur des murs incluse. Alors oui, il y a énormément de travail, mais en gros, je sais à peu près ce que je veux, là où je le veux. Là, je voudrais la cuisine, le salon, la chambre, avec WC et salle de bain, et en haut, des chambres. À mon avis, il y a de quoi en faire au moins 2, peut-être 3. Et pour bien faire, là, à côté, il me faudra un garage. Mais je m'imagine bien rentrer avec mes courses, à côté, le garage... Et avoir un accès direct sans me mouiller, parce que il y a des petites averses, hein, faut pas le cacher, on est en Normandie, c'est pas très très loin, tout est relatif parce qu'il y a quand même beaucoup de terrain, là ça doit être à 20 mètres. Bien sûr il n'y a pas le tout à l'égout, et ce que j'aimerais c'est avoir des bassins de phyto-épuration. Il y a plusieurs mares ici, donc éventuellement on pourrait au moins en récupérer une pour faire l'un des deux bassins. Il me semble qu'il en faut 2. Pour l'instant, je ne suis pas experte, mais je vais me renseigner. Mais avant tout, il paraît que il faut avoir l'autorisation de la commune. Il faut qu'on ait le droit d'avoir des bassins de phytoépuration. Apparemment, ce n'est pas obligatoirement le cas. On peut toujours avoir une fosse septique. Mais ce qui m'embête avec la fosse septique, c'est tous les ans, ou très régulièrement en tout cas, ça évolue, les normes évoluent. Donc votre fosse septique, elle est peut-être aux normes aujourd'hui, mais dans 10 ans, elle ne sera plus aux normes. Cette maison-là, elle va avoir, admettons, 3 chambres. Donc ce sera fait pour 4 personnes, c'est-à-dire 2 enfants et un couple. Moi, j'ai pas 2 enfants et je suis pas en couple. Donc forcément, ma production quotidienne d'eau ne sera pas suffisante. Voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais je vous donnerai beaucoup plus d'informations quand je serai en train de creuser le sujet, c'est-à-dire de creuser mes bassins de phytoépuration ou autre chose. Ce que j'aurais décidé de mettre avec le maître d'œuvre qui va m'aider à restaurer toutes ces bâtisses, parce que oui, je ne vais pas me lancer maintenant toute seule. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Faire appel à un maître d'œuvre, c'est pas un luxe, au contraire. La plupart du temps, vous allez gagner de l'argent plutôt que de devoir faire face à des dépenses inattendues parce que vous n'avez pas ce regard large que peut avoir le maître d'œuvre. Et en plus, le maître d'œuvre va vouloir travailler avec certains artisans, pas n'importe qui, des gens qui travaillent bien et avec qui il est sûr que les choses seront faites en temps et en heure et comme on l'entend. C'est une petite aparté. Maintenant, je vais vous montrer les mares. Ça là, c'est la première mare. Je veux dire que c'est la mare la plus proche de la route et de la porte d'entrée, enfin l'un des portails d'entrée. Il y en a pour l'instant 3 accès au terrain. Ça, c'est l'entrée principale. Elle est juste à côté de la maison en briques. Là, c'est pas une bâtisse qui m'appartient, hein. Là, c'en est une et c'est d'ailleurs la maison d'habitation actuelle. Moi, je ne veux pas en faire ma maison d'habitation. Donc ça, c'est celle que je veux en maison d'habitation parce qu'elle est très centrale et elle permet donc une double exposition vers le sud, vers le nord, est, ouest, comme ça me chante. Ça, c'est une mule. Et ça, c'est la troisième bâtisse qui, elle, a un peu de ciment. Bon, la bâtisse en briques, elle en a un tout petit peu aussi à certains endroits très localisés, mais c'est pas grand chose. Là aussi, c'est une mare, là. C'est pas très évident, mais en même temps, elle est un peu en hauteur, donc apparemment, elle est jamais très pleine. Mais les mares, ça se cure en été, quand elles sont vides et qu'il fait assez sec. On vient les curer, on vient les creuser pour enlever en fait les limons qui sont déposés au fond. Regardez là, tout ça là. C'est un gros carré, je ne sais pas combien de mètres carrés ça fait, mais c'est certainement assez grand. Et ben c'était un potager. Apparemment devant la maison en briques, il y avait aussi un potager. Mais là, c'était le dernier potager exploité. Alors on voit des petits arbres, comme des pruniers qui dépassent. Ça va demander pas mal de boulot pour enlever et nettoyer tout ça. Ici donc, il y a aussi une petite bâtisse. Ça, je suis pas sûre que ce soit cadastré. Sur certains documents, on le voit, sur d'autres, on le voit pas. Mais pareil, c'est une construction en bois, colombage et bauge. Ça là, c'est de la bauge, c'est de la terre donc. Bah, la structure est pas mal, hein. Le bois vu d'ici, il est pas dégueu du tout. On pourra facilement reconstruire quelque chose, en tout cas réutiliser pas mal de matériaux. Moi, j'aimerais bien avoir un petit cabanon à côté du potager, enfin, à condition que je refasse le potager dans le coin, là, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais envie de le faire un peu plus près de la maison. Vous voyez, en fait, ça, ce serait la maison, c'est quand même assez loin, j'ai zoomé à fond, et entre les deux bâtisses, là, il y a du terrain, et c'est exposé sud. Je verrais bien mon potager plutôt à côté de la maison. Rien n'est fixé, hein, ça c'est clair. Et là on va un peu plus dans le fond du jardin. Là on est complètement au nord du jardin et c'est la troisième mare. Je suis incapable de vous dire combien de mètres carrés elle fait. Elle est très grande. Le terrain fait 1400 mètres carrés. Non pardon, j'ai oublié un zéro. 14 000 m², 1,5 hectare presque. Là, la caméra est à peu près à l'est, enfin juste devant la mare, hein, je l'ai fait que tourner. Donc il y a quand même de l'espace derrière. Hein. Et là, il y a une ouverture qui donne dans les champs, sur des chemins. Un chemin qui descend et qui rejoint la route goudronnée qui est là. Donc à l'est, il y a une pâture avec des vaches sur lesquelles mes chiennes se feront un plaisir d'aboyer. Et puis, vous voyez là, là c'est la maison, la bâtisse que je veux transformer en maison. Elle est loin. Voilà, je suis à côté de la maison. Et là c'est un très grand champ en fait. Hein. Au début je voulais mettre plein d'arbres, faire un beau verger. L'intérêt c'est que les arbres en grandissant, eh ben, ils font de l'ombre et la pelouse ne grandit plus. J'ai plus besoin de tondre tout ça. Mais vous voyez là, il y a plein de meules. Ça c'est intéressant pour les fermiers, pour aussi quand on a un potager, pour faire un engrais naturel. Le propriétaire en gros m'a dit qu'il y avait 3 tondes dans l'année, que ça fait en tout une quinzaine de meules comme celle-ci. Elles sont énormes et bien tassées. Hein. Il y a un fermier qui vient tondre, il récupère les meules et en échange, eh ben, il taille les haies. Et il dit qu'il est gagnant, parce que ça a un prix, ça a une valeur. Donc je pense que je vais planter des arbres, mais pas à outrance. D'autant que franchement, je m'en fous d'avoir des tonnes et des tonnes de fruits. Si c'est pour qu'ils tombent et que personne ne les mange, bah, c'est bien dommage. Donc je vais en rajouter, histoire d'avoir des fruits dans le jardin, mais pas les mettre au milieu, de façon à ce que le tracteur puisse toujours bien circuler et tondre facilement. Pour ce qui est du reste des bâtisses, c'est-à-dire les ateliers, je vais vous faire une vidéo dédiée parce que j'ai pas mal d'interrogations, je ne sais pas encore précisément ce que je vais faire, où je vais le faire, et justement, j'attendrai vos suggestions. Alors, à bientôt!